Et coucou tout le monde, eh bien on va se retrouver pour un superbe tirage pour cette semaine de Saint-Valentin. Ça couvrira toute votre semaine, cette semaine de la Saint-Valentin. Et on se retrouve tout de suite eh bien, avec des tas que je vais vous proposer au niveau des tirages. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur la table de tirage. Alors par contre, je vais peut-être faire un peu plus de place. Alors je vais zoomer un peu pour qu'on voie un petit peu mieux. Voyons un peu. Voilà, comme ça je vais vous aiguiller un peu plus sur la table de tirage. Vous avez vu que je vous ai fait une super déco aujourd'hui. Donc vous allez avoir à choisir entre ces trois tas de cartes. Voilà, je vais vous laisser choisir pendant quelques minutes. Alors, vous avez un peu ce choix avec ce cœur, c'est un peu style celtique. Là, ces cœurs emprisonnés, emprisonnés, ou gardés plutôt, je dirais, dans une cage. Et ici, vous avez un cœur elfique. Donc, je vous propose de faire pause, tout simplement, et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour le premier tirage. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc avec notre cœur celtique, donc que je vais laisser de côté. Et on va passer à la première carte qui va représenter les énergies de votre semaine, donc de la semaine de la Saint-Valentin. C'est-à-dire, pour être plus précise, du 10 février au 16 février. Alors, nous avons la carte du chariot. Alors, cette carte du chariot, c'est une carte assez forte, hein, puisque c'est une carte qu'on voit ici, pleine d'énergie. Je vais essayer de peut-être vous refaire un petit zoom un peu plus, pour que, je ne sais pas si vous allez, par contre, je ne sais pas si ça va pas être un peu flou. Alors attendez, on fait des petits réglages. Je pense que le fait d'avoir trop zoomé, il n'aime pas trop. Alors on va reculer un petit peu, voilà, on va laisser comme ça. Ça sera peut-être un peu plus loin, mais au moins ça sera plus net. Donc ici on a vraiment une carte d'énergie, hein, d'énergie assez forte, hein, puisqu'on voit que c'est quand même le chariot, c'est une carte de détermination. On voit que cette semaine, vous allez être dans l'énergie vraiment de ce chariot. Vous allez foncer, vous allez avoir énormément d'énergie. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. Vous allez être déterminé dans tout ce que vous allez faire. De la volonté. On sent la volonté d'y aller. Et puis là, on y va. Ça va être vraiment une semaine où vous allez foncer, hein, vous allez vraiment vous dire que vous allez avoir confiance en vous et vous allez faire énormément de choses. Alors, cette première semaine, cette semaine de Saint-Valentin, on va voir dans quelle énergie vous êtes au niveau sentimental. On voit là, ici on a la carte de la famille et la carte de la méchanceté. Donc la carte de la famille, bon, ça veut tout simplement dire que vous êtes vraiment dans une relation où vous aimez la relation enfant, la famille, c'est pour vous, c'est important. Alors on sent qu'il y a des liens vraiment très forts, vous aimez cet esprit de famille, de cocon familial avec le mari, les enfants, pour ceux qui sont mariés. Ceux qui ne le sont pas, on sent qu'il y a un désir vraiment de fonder quelque chose de quelque chose de sincère et quelque chose à créer une famille avec des valeurs, hein, chose que des fois ça se perd un peu, mais là ensemble vous avez vraiment envie de créer des liens, de fonder cette famille. On voit cette poule avec ses petits poussins qui les couvent là, et on sent que c'est ce que vous avez envie en fin de compte, hein. Pour la carte de la méchanceté, elle va représenter peut-être la carte ce dont vous n'avez pas envie, justement. Vous avez envie de créer ce cocon familial, hein, ce lien familial, mais pour vous, la sincérité, c'est vraiment quelque chose d'important.
Et vous n'avez pas envie d'avoir dans une relation avec de la rancune ou quelqu'un qui aurait souvent des paroles blessantes quand elle parle. Voilà, vous avez envie vraiment de quelqu'un où vous allez sentir la sincérité qui va ressortir. L'envie qu'il ait envie comme vous de cette relation fusionnelle en fin de compte, c'est ça. Vous avez peut-être déjà vécu une relation avec une personne qui avait des paroles blessantes ou qui n'était pas sincère, qui vous a peut-être trahi. Ça, vous avez plus envie vraiment, vous avez vraiment plus envie de retomber dans ce schéma-là. Qu'est-ce que nous dit la santé et l'inconstance? Eh bien oui, c'est ça. La santé, c'est tout simplement, vous avez envie d'avoir vraiment, de ressentir que, ben c'est ça, il faut que vous ayez le cœur en bonne santé, c'est-à-dire qu'il faut que les sentiments soient sincères. Vous, c'est ça ce que vous recherchez dans la famille. C'est vraiment la sincérité, le bien-être, se sentir accompagné, se sentir épaulé. Hein, on sent que c'est ce qui vous tient vraiment à cœur. Et vous, l'inconstance, c'est pas ce que vous voulez. Voilà, la méchanceté, l'inconstance, ça, vous n'en voulez pas. C'est vraiment ce que vous voulez pas, ça. Vous, ce que vous avez besoin, c'est d'une stabilité dans votre couple, de vous sentir épaulé par la personne que vous aimez, de sentir qu'elle est là quand il faut et que vous pouvez compter sur elle, quoi. C'est vraiment les choses qui vous importent. On a le miroir magique et le cadeau. Le miroir magique, eh ben on vous dit, ça c'est les conseils, c'est les résultats de votre semaine. On vous dit que ben le miroir magique, c'est n'ayez crainte. Votre cocon familial, ce que vous avez envie, ben vous avez la protection. Donc vous aurez vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment le miroir magique. On vous dit, faites un vœu et il sera exaucé. Hein, c'est vraiment cette carte-là, ce que vous avez envie d'avoir au niveau de votre famille, vous allez l'avoir. Et là, on a le cadeau, la générosité. Vous aimez faire plaisir. Donc, ça, c'est vraiment des cartes qui vous annoncent que ce que vous avez envie de trouver, en fin de compte, cette semaine. Alors, pardon, j'ai pas vu. Je suis tellement dans la prédiction que j'ai pas vu que vous ne voyez pas toutes les cartes. Désolée. Là, vraiment, on vous annonce que cette semaine, ça va être une semaine riche. Riche pour vous parce que vous allez être protégé. Et tout ce que vous avez prévu cette semaine, peut-être que vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin, hein, que vous avez prévu une soirée romantique, que vous avez prévu une sortie. On vous dit que tout ce que vous avez prévu, là, tout va fonctionner comme il faut. Et attendez-vous aussi à offrir, mais à recevoir aussi, hein, quelque chose de généreux de votre partenaire. C'est une soirée qui va se passer. Vous allez voir que ça va être une soirée qui va se passer comme vous le vouliez et que vous aurez tout ce que vous attendez. Au niveau de la carte de l'oracle des haïkus, le petit message qu'on nous transmet, c'est la carte de la ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que de toute façon, votre détermination, c'est ce qui va compter dans votre couple. Hein. Ça va lui donner une détermination, une volonté. Vous allez aller sur le long terme. Ça va être vraiment de l'endurance. Donc, si jamais dans votre semaine, vous avez des projets qui ont été ralentis ou que votre objectif, vous avez peur de ne pas pouvoir l'atteindre, ne vous inquiétez pas. Même si vous allez rencontrer des obstacles cette semaine, tout va bien se passer et vous arriverez à réaliser votre projet. Ça sera vraiment une réussite. Donc vous avez une semaine qui s'annonce bien. Ne vous faites pas trop de tracas, hein, pour les inconstances, les soucis que vous vous faites vis-à-vis de votre couple. On vous dit que votre couple est protégé, que c'est un cadeau. Vous avez vraiment quelqu'un avec vous qui vous correspond. Donc, ne vous faites pas de soucis, tenez bon dans votre couple, vous allez avoir une longévité pour l'instant qui s'annonce pour ce couple. Donc, eh ben, écoutez, une jolie semaine pour ceux qui ont choisi le cœur celte. Et on passe tout de suite
Au deuxième tas de cartes. Et nous voilà avec le deuxième tas. Ah, c'est pas celui-là, pardon, je me suis trompée. Ça, c'est le troisième. Autant pour moi, le deuxième tas, c'était celui-ci. Donc, on se retrouve avec le deuxième tas de cartes, avec cette personne qui a une robe et qui, on a l'impression, protège ses sentiments. Alors, la protection de ses sentiments, elle va se manifester comment? Voyons un peu les énergies. Donc, cette première carte de tarot, hein, va représenter les énergies de cette semaine. Et nous avons la carte du magicien. Le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Eh bien, écoutez, que demander de mieux pour cette semaine, hein? Les objectifs que vous allez prévoir pour cette semaine, ben, sont couronnés de succès, c'est ce qu'on vous dit, hein? Vous allez vraiment avoir une super réussite. Donc, pas de souci au niveau de cette semaine. Vous allez mettre tout en œuvre, hein? Vous allez peut-être programmer des tas de choses pour cette Saint-Valentin. Vous allez peut-être programmer un restaurant, peut-être programmer une sortie. Ou simplement un bon dîner à la maison, quel que soit le programme que vous allez faire ou mettre en œuvre, et ben ça sera une réussite. Donc ne vous inquiétez pas. Donc maintenant on va passer à la deuxième carte. Alors, les deuxièmes cartes, nous allons avoir un message de savoir votre sentiment vis-à-vis de cette Saint-Valentin, de vos sentiments. Donc ici on a les pourparlers et la carte de la pensée, l'amitié. Eh bien, écoutez, les pourparlers, ça veut dire que dans votre couple, en fin de compte, il y a énormément de discussions. Vous savez dialoguer, vous n'avez pas peur de discuter de n'importe quel sujet. Ça ne vous fait pas peur, aussi bien l'un que l'autre. Vous êtes compréhensif vis-à-vis de l'autre et vous aimez discuter. Hein, même s'il y a des soucis ou quoi, vous en parlez, vous extériorisez tous les problèmes qu'il peut y avoir ou simplement des problèmes du quotidien. Mais vous en parlez, vous discutez, et c'est ce qui ressort de votre relation. C'est vraiment, vous parlez même des fois comme si vous parliez avec un ami. Hein, vraiment, on sent que vous en parlez à cœur ouvert, vous n'avez pas de secret l'un pour l'autre, en fin de compte. Hein, ce qui est une bonne chose. Alors, on nous dit les blessures et le pardon. Alors, peut-être que le fait de ces pourparlers ici, je dirais que cette carte de pourparlers, elle vient vous dire que si justement vous discutez énormément comme ça, peut-être que l'un ou l'autre, ou peut-être que tous les deux, vous avez eu des blessures par le passé, justement à cause de ça, qu'il n'y avait pas de conversation. Et on dit qu'en fin de compte, c'est pour ça que maintenant vous privilégiez dans votre couple la discussion, le partage, aimer savoir ce que l'autre pense et ce qu'il a envie de dire. Hein. On sent que il faut parler et on pardonne. On a peut-être pardonné à des choses qui se sont passées avant et qui ont mené peut-être des problèmes, mais vous avez réussi à résoudre ou alors à passer outre. Et on voit que c'est grâce à ce que vous avez vécu, au vécu. Hein, au passé que vous avez fait, que vous avez eu, que maintenant votre relation se passe bien. Aujourd'hui, on dit que le retour est la fécondité. Le retour, c'est-à-dire que, ben, justement, on savait que on passe toujours par des cycles, hein, des périodes, et on a toujours des fois l'impression de revivre certaines situations qu'on a déjà vécues. Et c'est vrai que, justement, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de retomber dans les schémas qu'on a vécus. Donc, c'est pour ça que vous avez sûrement privilégié la discussion pour éviter de retomber dans les problèmes que vous avez déjà vécus. Ici, on nous dit la fécondité. Donc, oui, la fécondité, bah, grâce à cette façon de voir votre couple, pour ne pas retomber dans les schémas précédents, on vous dit que vous avancez tout doucement dans votre couple, dans votre relation. Et en fin de compte, cette relation, elle évolue. Elle évolue vers quelque chose de bon, de meilleur, de vraiment quelque chose qui va représenter un projet de vie,
Alors, on sent que vous allez vers quelque chose, de fonder quelque chose de sérieux, de profond. Et même ici, on voit la fécondité, ça nous parle aussi peut-être de prévoir, d'avoir un projet, d'avoir un enfant, ou peut-être simplement vous êtes enceinte et vous avez actuellement, vous vivez une grossesse. Donc, on voit que ce couple, il va très bien, il a su surmonter des difficultés et passer outre les problèmes qu'il a rencontrés auparavant, ou qu'il a une relation qu'il a vécue auparavant. Et là, on sent qu'on va vers quelque chose de positif et qu'on avance dans une relation qui, au fur et à mesure, se construit et qui va sûrement évoluer vers une naissance, un projet de naissance. La carte de l'oracle des haïkus, la carte, son message, nous avons la carte de la générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Alors nous allons voir un peu ce que nous dit ce petit oracle des haïkus. La lune, c'est la symbole de la maternité, de l'intuition, de la guidance, de la plénitude. Donc, eh bien, écoutez, voilà, ce couple, il est dans une option de générosité. Et puis moi, je retiendrai surtout le mot-clé maternité, guidance, plénitude. Voilà, vous êtes dans une période où tout se passe bien pour votre couple. Et quoi de plus beau message de cet oracle des haïkus? Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour le dernier tas. Et on se retrouve pour notre dernier tas de cartes avec ceux qui ont choisi le cœur elfique. Donc, hop, on va tout de suite retrouver la première carte qui va correspondre en fin de compte à l'énergie de cette semaine. Et nous avons la carte du monde. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Le monde, eh bien, nous annonce quoi? C'est que tout simplement les projets que vous avez faits pour cette semaine, tout ce que vous allez mener cette semaine, vous allez le mener d'une main de maître. Vous allez arriver à accomplir tout ce que vous aviez prévu pour cette semaine. Et peut-être aussi, peut-être que vous avez préparé une petite surprise pour votre conjoint pour cette Saint-Valentin, ou peut-être que c'est lui qui vous la prépare, et que vous allez vivre une semaine super agréable. Donc voilà des bons événements. Au niveau de votre couple actuellement, quelles sont les énergies de votre couple actuellement? On a la carte de la table et la carte du vol de la perte. Alors la carte de la table, elle annonce une vie épanouie, un couple épanoui. Vous aimez être en compagnie, vous aimez recevoir, on sent que pour vous, le fait d'être en couple, ça implique aussi de recevoir des amis, de faire des réceptions, d'aller chez les uns, chez les autres. Ça compte beaucoup pour vous, les copains, les amis, la famille. On sent que voilà, il y a de la générosité à ce niveau-là, hein. On aime bien partager un bon repas, rencontrer plein de gens, plein d'amis. Mais peut-être que le fait aussi de rencontrer toutes ces personnes, ces choses-là vous travaillent un petit peu quelquefois, parce qu'on voit la carte de la perte du vol. Et ben peut-être que vous avez un peu quelque part, quand même, un peu peur pour votre couple. Hein, la perte, le vol, peut-être que on a des fois, on n'a pas toujours confiance. Peut-être pas en la personne, hein, peut-être pas en votre conjoint, mais peut-être que c'est vous qui avez peur, tout simplement, hein, c'est de la jalousie. Hein, on sent que vous êtes peut-être un peu jalouse et il faut faire attention. La jalousie, c'est un petit peu par petite dose, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça évolue vers du. Ça devienne maladif parce que vous allez vous rendre malheureuse. Et puis peut-être qu'il n'y a pas lieu de se faire. Alors, on va continuer de voir les cartes. Alors, on voit la carte des parents. Alors, donc, la carte des parents avec la table, est-ce que peut-être vous avez été habitué avec vos parents à recevoir, à avoir beaucoup de monde à la maison, à recevoir la famille, les amis? Et ce schéma, bah, vous aimez le reproduire parce que peut-être que cette façon de faire vous a plu quand vous étiez plus jeune, de voir vos parents
recevoir des tas d'amis. Et c'est ce qui vous a plu, hein. On voit qu'il y a la carte de du divertissement, donc on aimait ça, surtout pendant les vacances, hein. Et puis là, on voit la carte du vol de la perte qui est sur le divertissement, mais sur le mois, on voit le mois d'août aussi. Alors, peut-être que ça correspond à des périodes qui sont peut-être pour vous propices écoutez, à ce que la personne de votre cœur se lâche un peu et vous n'avez pas trop confiance en ces moments-là, en vous, parce que vous avez toujours peur, vous avez toujours cette histoire de jalousie qui vous tracasse. Alors, et peut-être est-ce que il y a eu un schéma au niveau aussi de vos parents, où il y a eu un souci avec vos parents, qui a eu peut-être une séparation à cause de ça. Est-ce que ce schéma-là, vous avez peut-être peur qu'il se reproduise dans votre couple? Alors on va voir les conseils de l'oracle, qu'est-ce qu'il va nous dire. Le boomerang et la carte miroir. Alors, le boomerang, c'est la carte qui vous dit, bah, vous allez récolter ce que vous avez semé. Le boomerang, quand on le lance, il nous revient automatiquement. Donc c'est nos actions, ce qu'on fait, la façon qu'on agit nous revient. Et là, on a la carte du miroir magnétique qui représente le consultant, mais en fin de compte, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je vous propose, on va reprendre des cartes et on va retirer une autre carte. Donc je reprends les cartes, je les mélange et on va reprendre une carte supplémentaire pour voir ce que le miroir magnétique, parce que le boomerang, on nous dit que ça va nous revenir, mais bon, j'aimerais bien savoir ce qui va nous revenir en fin de compte. Donc on va voir, allez, les miroirs, donne-nous la réponse à notre... Ah, voilà une carte qui a sauté. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Eh bien, écoutez, regardez. Cette carte, elle nous dit que le boomerang, ce qui nous revient, c'est la joie. C'est la joie et les félicitations. On voit que un couple de jeunes mariés, donc pas d'inquiétude. Ne soyez pas jalouse pour rien. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez un couple qui tient la route. Alors ne vous faites pas de soucis. Hein, arrêtez de gamberger, comme on peut dire. Votre boomerang vous renvoie, c'est votre façon d'être, votre joie de vivre, et c'est ce que l'autre en vous, en fin de compte, apprécie. Voyons un peu notre message de l'oracle des haïkus. La carte du bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Et bien écoutez, voilà, ce message vous dit que c'est tout simplement de profiter de votre couple, et parce que vous êtes entouré de quelqu'un qui vous tient à vous sincèrement. Et c'est actuellement la carte du bonheur qu'on vous dit. C'est le message de l'oracle des haïkus. Donc voilà, profitez bien de cette semaine de Saint-Valentin pour ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes. Eh bien écoutez, je vous dis bonne semaine à tous et plein de bonnes choses. Bye bye.